Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Focus Métier. Aujourd'hui, nous allons découvrir la profession de médecin vétérinaire avec Dr Ismaël Gaël Ali. Il est le directeur de Canal Vet Sarl à Bomekalavi. Dr Ismaël Ali, bonjour et merci de nous accueillir chez vous dans votre jardin secret. Alors, docteur Ali, en quoi consiste la profession de médecin vétérinaire? Un vétérinaire, il fait quoi? Il travaille pour qui? Un vétérinaire ou médecin vétérinaire, au fait, c'est un cadre supérieur qui s'occupe essentiellement et principalement de la santé des animaux. Quand je dis qu'il s'occupe de la santé des animaux, c'est avec tout ce qu'il y a autour, en fait. Donc, le médecin vétérinaire, c'est en quelque sorte le médecin des animaux. Au fait, on dit le médecin humain soigne l'homme, mais le vétérinaire soigne l'humanité. Parce que quand vous prenez la plupart des médicaments, par exemple, que vous prenez quand vous êtes malade, les essais ne sont pas faits sur l'homme au moment du développement du médicament. C'est sur des animaux. Et au cours de ces essais-là, ceux qui maîtrisent la physiologie, le fonctionnement du corps animal, c'est le vétérinaire. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de maladies qu'on appelle communément, nous, les zoonoses, qui sont des maladies animales à l'origine et qui peuvent être transmises à l'homme. Donc, dans ces maladies-là, on a besoin du médecin vétérinaire pour comprendre la maladie et la maîtriser. Alors, docteur Ali, quelle formation pour devenir médecin vétérinaire et vous, personnellement, quel a été votre parcours? La formation pour devenir médecin vétérinaire, déjà, il faut avoir un bac scientifique, un bac série D ou série C. Aimer beaucoup la biologie, les sciences, les mathématiques, parce que le vétérinaire, c'est quelqu'un qui est un peu, qui touche à tout. C'est quelqu'un qui touche à tout. Et ensuite, une fois que vous avez le bac, la plupart des écoles vétérinaires acceptent des étudiants à partir de la mention assez bien, parce que c'est des écoles d'élite, en fait. Donc, vous avez le bac avec mention, vous remplissez les critères, vous faites des classes préparatoires aux études agronomiques. Pour nous qui avons fait des écoles où il y a des classes préparatoires, il y a ce qu'on appelle un tronc commun. C'est au cours de cette classe préparatoire-là, vous faites la même chose que ceux qui souhaitent devenir ingénieur agronome. Pour mon cas, ceux qui souhaitent devenir ingénieur en télécommunication. Pour ceux qui souhaitent devenir ingénieur en topographie, par exemple. Donc, c'est une sélection. Et ensuite, vous rentrez dans la branche médecine vétérinaire. Au fait, la médecine vétérinaire, en général, c'est bac plus 7 aussi, pratiquement. Si vous comptez les classes préparatoires, l'année préparatoire aux études pour devenir médecin vétérinaire. Les jeunes qui ont envie d'être médecin vétérinaire, qui aspirent donc à la profession, veulent savoir un peu à combien s'élèvent les frais de formation par an. Pour moi, mon école, ce que j'en sais, la scolarité annuelle allait pour l'école... L'Institut agronomique et vétérinaire à San 2 allait jusqu'à 5 millions de francs par an. Donc, quand vous faites le point, ça fait quand même une faute. C'est un investissement qui n'est pas négligeable. Docteur Ali, le métier de médecin vétérinaire nourrit-il vraiment son homme? C'est un métier qui nourrit son homme. Mais c'est un métier qui a des exigences, comme tout métier. La disponibilité. Moi, je n'ai pas de dimanche, par exemple.
Vous avez envie d'être médecin vétérinaire, vous venez d'avoir des informations. Pour toute autre information, vous pouvez contacter Dr Ali qui est à votre disposition. Et je vous informe qu'il nous a offert deux bons de stage pour les jeunes qui ont envie de savoir un peu dans ce domaine, comment ça se passe, faire un stage dans son cabinet. C'était Focus Métier. Au revoir.